François Trio, après sa large victoire, Victor Bonifié face à Perpignan, on vous retrouve avec Vincent Clerc dans les couloirs. Oui, Vincent Clerc qui a le sourire, hein, parce que vous l'avez vu sur Canal Plus Sport, on a vu un beau Toulouse ce soir. Tiens, Vincent, on a l'impression que dès que le printemps pointe son nez, là, c'est le début du mois de mars, les Toulousains redeviennent Toulousains. Et on l'a vu très vite, dès la 10e minute, il y a eu du jeu, le ballon volé de main en main, aussi parce qu'il y avait le retour d'un certain Luc McAllister. Oui, bah c'est vrai que, bon, je ne sais pas si c'est lié au printemps, en tout cas, c'est lié à beaucoup de frustration sur cette dernière semaine où on a quand même développé des choses intéressantes avec une victoire à Biarritz et une victoire qui nous a échappé à Castres. Et puis, bon, finalement, on a réussi à garder cette intensité-là sur ce match, sans trop se mettre de pression négative, même si le match était très important. Et de la malice, je vous coupe, parce que là, c'est 10e minute, cette passe au pied de McAllister pour un certain Vincent Clerc qui était avec nous. Alors d'abord, une action initiée aussi grâce à la puissance de Lupi Camol, passe au contact pour Johan Hugé. Et vous, c'est un essai qui est accordé, cette pénalité. Oui, ouais, bah, c'est toujours plus facile à transformer. Donc, aujourd'hui, l'objectif, il était là de vraiment voilà, se faire plaisir et de gagner, puisqu'il fallait revenir dans les 6 et qu'on sait qu'on a un calendrier un peu difficile sur cette fin de saison. Donc, il était nécessaire de faire un bon match ce soir. 3 déplacements, on a encore vu Picamol important, tout comme cette redoublée initiée par McAllister, Ficou, Médard, Hugé, les 3 qui rejoindront Marcoussis qui était aligné ce soir. Et puis ça va rebondir encore avec les avant. On a une petite ellipse pour aller vers le bout de cette action. C'est le deuxième essai des Toulousains. Ouais, on s'est pas mal déplacé, on a bien communiqué et c'est vrai que ça fait du bien de retrouver aussi un peu des terrains secs. C'est vrai que c'est plus facile pour se faire des passes, mais je crois que c'est un gros travail depuis quelques semaines et il y avait pas mal de frustration parce que ça avait du mal à payer. Et puis enfin ce soir, voilà, on a réussi à jouer et à être cohérent entre les avant et les 3/4 et c'est ça qui nous satisfait le plus. 15-9, qu'est-ce qui explique ce déclic? 15-9 à la mi-temps, on va revenir dans la deuxième période. Le déclic, c'est quoi? C'est le retour de McAllister, j'y reviens, ou encore c'est le déclic de la victoire à Biarritz, notamment dans des conditions difficiles? Il y a beaucoup de choses. Il y a la nécessité de gagner, puisqu'on s'est mis une pression par rapport à ce match. Bien sûr que le retour de quelques joueurs, on a vu Louis très en forme, Johan, Maxime ou Luc, c'est vrai que ça permet de mieux travailler dans un confort à l'entraînement qui est intéressant, parce que c'est vrai que quand on est à effectif très réduit, c'est compliqué de préparer les matchs. Et là, voilà, Louis fait partie des meilleurs, il nous a fait avancer toute la partie. Luc a pesé aussi sur cette rencontre en ouvrant des espaces autour de lui. Donc voilà, mais je crois que globalement, voilà, il y a pas mal de monde qui a fait un bon match devant. Ils ont avancé encore une fois et ils ont permis de mettre la charnière dans des bonnes conditions et voilà, c'est pour ça qu'on arrive à marquer ce bonus. Ouais, le bonus offensif décroché à la 64e minute par Yacouba Camara, le jeune international des moins de 20 ans, puis ensuite dans son sillage, il va y avoir un certain Vincent Clerc. Tiens, petit coupé par-dessus de Luc McAllister, c'était annoncé, prévu. Oui, parce qu'on a vu que le 9 était rentré dans la ligne, qu'il était un peu en retard, donc voilà, je l'appelle pour jouer par-dessus et comme il est très bon, et il me le met dans les bras et ça me permet de marquer un essai. 134 jours qu'on n'avait pas vu McAllister avec le Stade Toulousain, il n'a pas perdu les automatismes, hein. Ça s'est pas senti. Hein. Non, c'est vrai qu'il a bien bossé, il avait beaucoup d'envie. Et voilà, dans son sillage, on a senti toute l'équipe qui avait envie de faire un bon match. Et c'est vrai que voilà, il a retrouvé voilà, toute sa dextérité et toutes ses cannes. Donc ça fait du bien. Et puis c'est vrai que ça permet aussi à des joueurs comme Sébastien Bézi de retrouver leur place de neuf, qui ont fait des bons matchs en 10. Mais c'est vrai que c'est pas son poste de prédilection, c'est difficile. Et voilà, maintenant on a Lionel qui revient en forme aussi avec Luc. Donc voilà, petit à petit on récupère tout le monde, c'est bien. Et le printemps arrive. Le printemps. Voilà, hein, dans 3 semaines, il y aura aussi 2 déplacements au Stade Français à Toulon. C'est le tournant de cette fin de saison pour vous, ces 2 prochains matchs? Oui, il y en a 3 même, puisqu'il y a le Stade Français, Toulon et le Munster, 3 déplacements très importants. Donc voilà, il y a des joueurs qui vont repartir en équipe de France, j'espère qu'ils vont bien terminer le tournoi. Nous, on va prendre une semaine de vacances, puis une semaine de préparation physique, et pour attaquer les phases finales avec beaucoup d'envie et beaucoup de fraîcheur, un maximum de fraîcheur, parce que c'est vrai que ça va être compliqué et on est loin d'être qualifié. 2 essais, vous, la semaine dernière, quasiment 2 aujourd'hui, même si le premier ne vous a pas été accordé. L'équipe de France, vous y pensez? L'Australie, peut-être? Je sais pas, je me suis pas encore posé la question. C'est vrai que c'était pour moi intéressant de revenir dans cette période et d'enchaîner les matchs. Je retrouve toutes les sensations. Ça fait du bien aussi à la tête de marquer. Bien sûr que voilà, en fond, j'y pense toujours.
Et voilà, j'attendrai, mais en tout cas, voilà, l'heure est pas là, l'heure elle est aux vacances pour l'instant. Oui, vacances aussi peut-être pour Louis Picamol, vacances forcées, pourtant il a été l'un des artisans de cette victoire royale. Vous l'avez senti vexé de ne pas être dans le groupe France, écarté du groupe France ? C'est un compétiteur, bien sûr, que je pense qu'il avait à cœur de montrer que c'était une petite erreur de comportement et qu'il avait sa place dans le groupe France. Il avait envie de faire un gros match. Il a toujours envie de faire des gros matchs, mais c'est vrai qu'il y a des fois où on a envie de montrer qu'on est bien là. Et je crois que voilà, Louis a montré qu'il était très en forme aujourd'hui, donc je suis ravi pour lui. Oui, de quoi faire peut-être regretter les choix du sélectionneur Philippe Saint-André. Bah, écoutez Guy Novès justement au sujet de Louis Picamol. Pour moi, je pense qu'il reviendra très vite en équipe de France. Maintenant, moi, je suis d'accord avec les sélectionneurs. On ne doit pas parler en permanence sur un terrain. Donc là, je suis totalement d'accord avec eux. Après, de l'écarter Louis parce qu'il a parlé, quand je vois le nombre de joueurs qui ont eu des cartons qui n'ont pas été écartés, quand je vois la sélection de joueurs qui étaient sous le coup d'un carton rouge, bon, là, ça m'interpelle un peu. Mais le fait de lui reprocher de ne pas être discipliné, je suis totalement d'accord avec les sélectionneurs. Merci François, merci Vincent Clerc d'avoir été avec nous.